Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, je vous salue. Aujourd'hui, je lance un appel à mes frères et sœurs Ivoirois et Ivoiriennes de nous organiser pour sauver nos prisonniers politiques et tous nos frères et sœurs dans nos prisons en Côte d'Ivoire, car ils sont laissés pour compte. Je vous demande de nous organiser pour aider nos prisonniers politiques et aussi nos frères et sœurs emprisonnés dans nos prisons, car ils sont abandonnés à leur sort. Je vous demande donc de m'aider à ce que nous trouvions les finances nécessaires pour leur permettre de manger, parce qu'on ne leur donne pas à manger, de se soigner, parce qu'on ne les soigne pas, de se vêtir. J'ai donc pris sur moi de créer une ONG à cet effet-là. Venez donc m'aider à trouver les moyens pour nous occuper de nos prisonniers. Nous ne pouvons pas prétendre vivre chez les autres à l'aise quand chez nous rien ne va, quand notre peuple se meurt. On ne peut pas être heureux dans ces conditions-là. Donc voilà. Pour mon émission numéro 41, le thème est soutien de l'État à la jeunesse ivoirienne. Nous devons utiliser l'argent du contribuable pour nous occuper de la jeunesse ivoirienne sans distinction de langue, de religion ou d'ethnie. Aujourd'hui, ce sont les hommes au pouvoir qui utilisent l'argent du peuple ivoirois pour leurs enfants, amis et familles. Sauf que c'est l'argent du peuple entier. Et pourtant, les autres sont laissés pour compte. Alors, le REVAS propose de mettre en place des infrastructures propres et des structures adéquates pour une bonne éducation et formation de la jeunesse ivoirienne. Il faut une aide à la jeunesse au plan scolaire. L'État doit prendre en charge l'éducation de notre jeunesse par des mécanismes qui leur permettent d'être tous bien formés. L'aide à l'étude et les bourses doivent être octroyées aux familles très pauvres. Au niveau des diplômés sans travail, une aide doit être octroyée le temps pour qu'ils trouvent leur premier emploi. Tout ceci permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir une jeunesse bien éduquée et compétente pour sauver notre pays. Avec le REVAS, la jeunesse ne sera plus un bétail électoral et laissé pour compte après. Car l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Voilà pourquoi je lance un appel au gouvernement présent et futur de tout mettre en place pour la jeunesse de notre pays. Vive le REVAS pour que vive la Côte d'Ivoire, libre et prospère. C'était l'Amazon de Kensi dans les brefs de Anne de Luxe. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.